J'avais une famille. Une femme. Elles sont magnifiques. Et un fils. Je les ai enterrés avec tous ceux que je connaissais. Non ! Que m'est-il arrivé ? Je suis mort. La mort t'a rejeté, t'abandonnant entre lumière et ténèbres. Nos destins s'entremêlent à Lyon, ma vie et la tienne. Qui es-tu, Spectre ? J'ai façonné l'histoire de la Terre du Milieu. J'ai forgé les anneaux de pouvoir. Celebrimbor, grand forgeron du Deuxième Âge, Sauron t'a dupé pour que tu crées les anneaux. Ton peuple et toi avez souffert. C'est cette souffrance qui nous lie peut-être. J'aurais dû mourir avec ma famille. Mais tu rêvais de vengeance. Mais il n'y a qu'une seule façon de boucler la boucle. Il faut tuer Sauron. Il nous faut un nouvel anneau. Le monde des hommes va s'éteindre. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Dans la montagne du destin, un rôdeur et un spectre, liés tous deux par la mort, ont forgé la seule chose qui puisse vaincre Sauron. Un anneau de pouvoir. Mais le pouvoir peut devenir aveuglant, et même les liens les plus forts peuvent être brisés. L'avenir que j'ai vu ne doit pas survenir. Celebrimbor ! La mort t'appelle encore, Rôdeur. Que vas-tu répondre ? Talion ! Elles sont magnifiques. D'où est-ce qu'elles viennent ? Oh, il me reste quelques amis au Gondor. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oublie le passé. On ne peut plus rien changer. Il faut qu'on parte. Allons-y, vite ! C'est trop tard. Nous sommes déjà morts. Le spectre t'appelle. Et moi aussi. Spectre ! Où es-tu ?
est mort. Mais qu'a-t-il bien pu t'arriver ? Tu nous as fait attendre. Libère-le ! Une araignée ne lâche pas sa proie, Rôdeur. À moins d'obtenir quelque chose de plus précieux. Je ne t'ai pas fait venir pour rien. Je te conseille de me le rendre. Maintenant. Quel courage. Pour un homme. Mais ce n'est pas ton épée qui le sauvera. À quoi serais-tu prêt à renoncer ? À céder. J'ai déjà abandonné tout ce que je pouvais. Pas tout à fait. Tu veux l'anneau. Tu échangerais l'anneau contre le spectre. Pour me retrouver piégé dans ta toile avec lui. Je suis Arachne. Et je ne passe que des marchés honnêtes. J'aurais fait le même choix. Ah ! Attends. Dalio, non ! Oh ! Tu peux le prendre. Tu m'impressionnes, Rôdeur. Il doit beaucoup compter pour toi. Rejoins ton pantin avant qu'il ne meure. Tu nous as condamnés, Talion. Elle avait déjà un pouvoir immense, et voilà, je lui donne le mien. J'ai mis toute ma force vitale dans cet anneau. Alors il faut le récupérer. Arachne ! La guerre que tu veux mener n'est pas ici. Prise d'assaut par le Seigneur des Ténèbres, tourne-toi vers le Palantir. Sauron ne s'arrêtera jamais avant d'avoir conquis toute la terre du milieu. Le Palantir doit être protégé. Minas-Ithil. Je dois savoir si Arachne a vu juste. L'araignée avait bien raison. La seule forteresse gondorienne au Mordor doit tenir. Thank you.
Le Palantir est essentiel. Nous devons le trouver avant que Sauron ne mette la main dessus. Sinon, rien ne pourra arrêter son armée. Le sort de la cité importe peu. Il est hors de question qu'il se fasse massacrer comme tous mes frères à la Porte Noire. Il faut faire quelque chose. En éliminant les capitaines, nous donnerons du temps aux Gondoriens. Ils pourraient nous mener au Palantir. Il faut trouver un ver et le faire parler. Palantir. Une minute! Qui dirige les recherches du Palantir? Allez, en formation! Votre mission est de protéger la pierre de vision. Elle est bleue, ronde et à nous. C'est un puissant artefact, les gars. Rapportez-la moi, mais ne la touchez pas. À moins de vouloir perdre la tête. Doogs. Tête écharpée. Mais mon Dieu, Minas City n'existe plus. Ici, c'est Minas Morgul. Et Minas Morgul dévore les tiens. Il est mort de se défendre. Pour le Gondor. Bien. À nouveau. Salope. Tu vas mourir ici. Que faites-vous seul ici? Mon escouade s'est retrouvée prise au piège dans la ville basse. Combien étiez-vous là-bas? Bien trop peu. Eh bien, Minas City tient encore. Nous allons perdre la ville moyenne, Rôdeur. Il risque de bientôt fermer les portes. Il faut nous y rendre le plus vite possible. Alors montrez-moi le chemin. Attendez. Quel est votre nom? Idril. Talion. Alors ne traînez pas, Talion. Il y a eu assez de morts comme ça. Ce ne sera pas long. Partez. Dites aux archers de l'épauler. La ville moyenne est perdue. Nous avons chèrement défendu chaque pouce de terrain, mais ils ont réussi. Alors notre sort se joue ici. Le mur intérieur tiendra, et nous avons le double d'archers. Nous ne faisons pas le poids face à leur nombre et leur férocité. Oh, notre peuple a déjà repoussé l'armée de Sauron avant. Mais en perdant bien des choses à jamais. Ouais, c'est hélas vrai. Va à la grande salle. Protège les reliques. Ma place est ici. Mais fais en sorte qu'on les transporte à Enes Anun. Est-ce que c'est un ordre? Il faut que tu comprennes. Il faut protéger les choses les plus précieuses à tout prix. Oui. C'est un ordre. Alors j'obéis. Mais je serai de retour avant la prochaine attaque.
rôdeur de la Porte Noire. Je vous croyais tous morts. C'était bien le cas. Si vous venez vous battre pour Mina City, le rôdeur, allez voir le capitaine Maranor. Je ne viens pas pour la cité, général. Mais pour le Palantir, pour le protéger. Si la cité est protégée, le Palantir également. Cependant, nous avons des escouades qui attaquent les capitaines ennemis dans la ville basse. Afin de semer la terreur parmi eux. Oui. Il est grand temps qu'ils goûtent à la peur. Les troupes sont prêtes, général. S'il existe un endroit du Mordor hors de portée de Sauron, c'est ici. Ces Galgal nous rappellent que le Seigneur des Ténèbres ne peut être partout. Il y a bien longtemps, mon armée marcha sur le Mordor. Nous enterrâmes nos morts au combat dans ces Galgal. Nos plus grands guerriers reposent en paix ici, protégés par une puissante magie. Nous avons tout mis en œuvre pour que les vertus des elfes nous suivent dans nos périples. Et tu possédais l'unique ? Oui. C'est lui qui m'offrit une armée. Ainsi je menais l'attaque face à Sauron. Celui-ci, le nouvel anneau, n'est pas marqué de son ombre. Il est parfait. Le temps presse. Prenons les biens les plus précieux seulement. Nous devons tout sauver. Idril, il faut forcément faire des sacrifices. Je ne sacrifierai pas notre passé à la peur. Hé, vous ! Qui êtes-vous ? Baranor, c'est le rôdeur. Je t'ai déjà parlé de lui. Un grand défenseur de Mina City-il. Mais nous ignorons votre nom. Talion. Le Gondor vous remercie, Talion. Mais nous avons besoin d'hommes dehors. Non, les Uruk cherchent le Palantir et ne s'arrêteront pas avant de l'avoir. Où est-il ? Mon père l'a mis en sûreté. Rien ne saurait être en sûreté actuellement. Les Uruk démoliront la cité pour le trouver. Nous traversons des heures sombres, mais nous n'abdiquerons pas, et nous ne tomberons pas. Pas question. Je dois défendre les portes. Pousse aux portes, et vite! On met une ligne d'escarmouche ici! Ne les laissez pas passer! Mais ça, je vais couvrir ton flanc! Laisse couvrir le tien! Ce n'était que le début.
Il y en aura d'autres. Nous devons découvrir à qui nous avons affaire. Par ici! La ville ne tiendra plus longtemps. Je m'occupe des bêtes de siège. Baranor et moi, nous restons ici. Les armées de Sauron sont devenues immenses. Nous ne pouvons pas les vaincre de façon conventionnelle. Il nous faut le Palantir. Tais-toi, Echo ! Le siège se rebelle ! C'est normal, ça ? Nous avons repoussé, pour l'instant. Une autre attaque suivra sans doute. Retournons dans la ville haute. Allons voir comment vont Idril et les autres. Ils ne se contenteront pas de nous détruire. Ils cherchent à effacer toute notre histoire. Au moins, ils n'ont pas la pierre de vision. Les portes résistent. Ces reliques étaient tout pour moi. Mon père avait raison. Sauvons tout ce qui peut l'être, et partons. Vous détenez une arme très précieuse. La pierre de vision vous permet de voir votre ennemi. Servez-vous-en. C'est bien trop dangereux. Le Palantir empoisonne l'esprit. Nul ne saurait lui résister. Moi si. Vous n'êtes pas le premier à vous en vanter. Et si j'ai tort, j'échouerai comme les autres. Mais si je vois juste, nous gagnerons cette guerre. Je vais aller voir mon père. Et lui parler. Elle vous fera tenir parole, Rodeur. Sauvé, dis-moi. C'est pas à toi que je parle, stupide rôdeur. Il œuvre pour cette maudite araignée. Non, non. La terrible maîtresse des ténèbres veille sur Gollum. Gollum veille sur le maître de lumière. Le maître de lumière tue le seigneur des ténèbres. Et c'est l'araignée qui tire les ficelles. Sauron est son ennemi comme le nôtre. Et on ne choisit pas toujours ses alliés. En route. Je sais ce qui vous amène. Rends-nous ce que tu as volé. Silence, créateur. Tu n'as rien à dire. Voler ?
Il m'a supplié de le prendre. Et toi, que veux-tu, Talion ? Je suis là pour Mina Sithil. Tu désires la sauver. Mais elle a peut-être déjà sombré. Tout n'est pas encore perdu. Tes visions disent vrai. Offre-moi une autre. Dans quel but ? Pour savoir ? Pour dominer ? Oh, inutile de me répondre. Vois ta vérité ! Tu veux monter en grade, il suffit de tuer. Tu veux te faire remarquer ? Tue un pot rose. Plus ta cible sera grosse, plus tu monteras haut. Idril. Elle meurt. Beaucoup mourront avant la défaite de Sauron. Alors il faut agir en conséquence. Si nous tuons l'assassin, peut-être que ça n'arrivera pas. Elle peut survivre. Elle vivra ou mourra avec honneur sans que la guerre en soit changée. C'est Castamir qu'il nous faut protéger. S'il est victime de cet assassin, nous perdrons le Palantir. On le trouvera par ici, pour notre maître. On va assurer Tungol. Oui, on le trouvera, le méchant assassin. Oui. Écrabouillez-les, elle passe par en dessous. On est prêt. Mais trop de sales orques dans le coin. Reste ici. Je peux le trouver seul. Morgue. Empêchez-vous quand il vous frappe à la tête! Je compte bien exécuter les ordres. Si tu penses pouvoir m'arrêter, prépare-toi à une grande déconvenue. J'y tiens! Qu'un contretemps, le Seigneur des Ténèbres triomphera. Pourvu que sa mort change la vision d'Arachné pour Mina Sithil. Mina Sithil retournera à la poussière. Seul importe la pierre de vision. Ose me dire que l'anneau n'a pas eu raison de ton âme. La maîtresse des ténèbres sera contente. Oh oui, précieux, content. Baranor, vous ne pouvez pas être à court d'orques dans la ville. Il en reste quelques-uns, mais nous en chassons un en particulier. Le dernier garde du corps du chef de guerre qui mène le siège. L'attaque sur la ville moyenne. J'ai adoré. Rejoins tes frères dans la mort. J'en ai tué tellement que j'ai perdu le temps. C'est à ça qu'on reconnaît, Belge. Je me demandais justement ce que j'allais manger. Et voilà que vous arrivez. Quelle chance. Come on!
Je plains presque le chef de guerre qu'on traque. Il va se sentir seul sans ses gardes du corps. Il ne tardera pas à les rejoindre. Je serai méfiant envers l'araignée à ta place. Elle ne te montre que ce qu'elle veut. Alors dis-moi ce que tu veux voir. Mina Sithil toujours debout. Oh, mais quel altruisme. Rien de plus? La dernière vision était troublante, n'est-ce pas? Je veux savoir ce que vont me faire les Nazgûl. Prends garde à ce que tu demandes, Rôdeur. Avec la prophétie, vient le tourment. On prendra la ville à l'aube! Soumets-toi à ton destin. Je sais ce qui t'effraie, Talion. Les visions d'Arachné ne sont pas immuables. Le roi sorcier. C'est le pouvoir de domination. L'anneau peut asservir l'esprit des hommes. Que peut-on faire? Il faut faire des sacrifices. Il y aura des pertes. Mais... n'oublions pas notre objectif, quoi qu'il puisse en coûter. Baranor, je veux aider, car ce chef de guerre ne se laissera pas faire. Nous en avons déjà vaincu, Rôdeur. Je n'ai rien contre une lame de plus. Alors nous l'éliminerons ensemble. Je commence par les archers. Envoyez vos hommes quand la voie sera libre. Un archer elfe vaut 3 archers gondoriens. Vraiment, seulement 3. Capitaine et chef de guerre réunis, on remportera la victoire. Ensemble, on prendra la cité à l'aube. Faites-les brûler! Pour le Condor! Maintenant, c'est le moment de frapper. Disons qu'on est quitte. Une bonne chasse. Le chef de guerre n'a pas dû aimer. Ni ses archers. Vous reviendrez chasser? Oui, avec grand plaisir. Alors, Talion, a-t-on changé quelque chose? Certaines choses nous échappent. Rendons visite à Arachné. Si j'accepte de retourner là-bas, c'est seulement pour mon anneau. Assez! Tout ça dépasse ton anneau de malheur!
ou toi. Ces visions pourraient nous sauver la vie à tous. Je viens en voir plus. Je sais. Si tu peux voir la fin de Sauron, révèle sa faiblesse, pour que nous puissions le battre. Ta vision est fragmentaire. Je ne demande pas mieux que de le voir agoniser, demander grâce à mes pieds. Mais mon regard suit le destin de la Terre du Milieu. Alors rends-nous ce que tu m'as volé, et je pourrai te livrer Sauron enchaîné. Pourquoi ferais-je cela, Créateur? Sauron et toi ne faites qu'un. C'est ce que tu cherches? Qu'après ces devinettes, elle n'est pas notre alliée. Certainement pas la tienne. Approche, Talion. Vois par mes yeux. L'heure des fêtes vient de l'intérieur. S'il abriterait un traître. Mais qui? Doutes-tu d'elle? Ses visions ne mentent pas. Tu l'as vue comme moi. Alors Minas Sithil doit mener une guerre des deux côtés. Je suis en mission. Je vais voir le briseur d'hommes pour lui transmettre des informations importantes. Je viens de rencontrer le traître. J'étais pas sur ton chemin. Et si ta mission est si importante que ça, pourquoi tu perds ton temps à m'en parler? Remets-toi en route, larve! T'as entendu ça? Briseur d'homme, l'immortel est à mes trousses! Je ne lui ai rien dit sur le traître. Je le jure! Combien de fois je vous l'ai répété? Vous ne devez jamais parler du traître! Que ce misérable clope mort vous serve d'exemple à vous tous! La prochaine larve qui ose ne serait-ce que chuchoter le mot traître, je la désosse! On va lui donner. T'imagines que tu es là à cause du traître qui nous aide depuis Minas Sithil? Eh bien, tu n'apprendras rien de ma bouche. Agenouille-toi! Tes actes ne sont pas passés inaperçus, rôdeur. Tu éprouves ma patience. Bientôt, j'éprouverai ta résistance. C'est l'œuvre du roi sorcier. Il nous nargue. Je dois récupérer mon anneau. Et tu l'auras. Mais avant ça, il faut s'occuper du traître à Minas Sithil. Talion, jeu cruel, ce tueur rempli de fiel, les orques le viscèrent, et leur tête il la serre, leur cerveau il cisaille, leur visage il entaille. Il peut être utile. Les orques sont innombrables à présent. Ils se préparent à un autre assaut. Personne n'a vu ton père après la bataille. Mes hommes sont à sa recherche.
Mais quel est donc ce maléfice? Le roi sorcier en personne vient négocier. C'est l'arme de mon père! Les orques détiennent votre général. Acceptez d'envoyer le rôdeur de la Porte Noire mourir aux mains de mon champion. Et après sa défaite, votre chef vous sera rendu. Sinon, de terribles souffrances vous attendent tous. C'est toi que je veux, Talion du Gondor. Vous comprenez que... Les Uruks ne connaissent pas la pitié. Que mon père est peut-être déjà mort. Ils nous provoquent. Il ne faut pas les... Les Uruks aiment le spectacle. Si vous pouvez les distraire dans l'arène, nous pourrons nous faufiler dans leur camp pour trouver mon père. Puis-je compter sur vous? Le spectacle sera inoubliable. Tâchez de ne pas le tuer trop vite. Ils semblent croire aux chances de leur champion. Et pour être honnête, il est plutôt massif. Certes, mais nous avons l'avantage du nombre. Ta ville va brûler! Ces saletés d'humains seront plongés par le feu! Ainsi, je retourne à la flamme sombre. Mais elle emporte tout, aussi bien toi, sale humain, que ta misérable cité. Je suis venu jusqu'à cette arène pour combattre le champion de Sauron! Et j'attends toujours! Je dois te faire la peau, c'est ça? Puisque personne d'autre semble en être capable? Et maintenant tout le monde nous regarde! Alors je suis bien obligé de le faire, ou ils vont finir par m'engueuler! L'heure est venue de planter un infini-toi. Ogric est tombé. Ah, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé me dépenser. Mais j'espère qu'il trouvera la mort rapidement, histoire de pouvoir me concentrer pleinement au saccage de cette ville. J'ai su respecter ma part du marché! Et votre champion! On a fait de même! Pour affronter cet ennemi pitoyable, le Seigneur des Ténèbres promet la clémence! Regardez maintenant le Seigneur de Lumière! Je ne fais aucune promesse! Fuyez! Fuyez! Trouvez votre maître et donnez-lui ce message! Je lui ferai la peau!
Mon père est enfermé dans le camp du chef de guerre. Mais ils nous ont repérés avant que nous arrivions à lui. Baranor préfère attaquer à l'aube. Et frapper en effectif réduit. Mais vous voulez y aller maintenant. Seul. Vous courez droit au suicide. Si j'attends l'aurore, mon père ne sera plus des nôtres. Je ne vous empêche pas d'y aller. Seulement, vous n'irez pas toute seule. Les Uruks capturés l'hiver dernier racontaient des histoires à propos d'un immortel. Moitié homme, moitié spectre. Un démon. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il nous serait d'une grande aide. Nous ignorons ce qui nous attend, Idril. Tenez-vous prête. Vous avez pris un grand risque, madame. Merci. Madame, ils ont emmené le général dans la tente du chef de guerre. Retournez à Minas Ithil. Le rôdeur et moi trouverons le général. Je te laisserai pas partir, général. Père ? Oh, Idril. Qu'est-ce qui t'a pris de venir jusqu'ici ? Je suis venu pour vous. Ce n'est pas ce que je voulais. Ni pour toi, ni pour personne. Certains choix ne nous appartiennent pas. Mais nous pouvons nous battre. Tu tiens tellement de ta mère. Viens. Les renforts arriveront très bientôt. Voilà le général. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Général, la pierre de vision, avec elle je vais... Le Palantir est en lieu sûr. Les armées du Gondor sont en chemin. Tu es sauve. Bien. Venez. Nous attendons leurs armées depuis des semaines. Personne ne vient. Pouvez-vous vraiment les vaincre grâce à la pierre ? Oui. Alors je la retrouverai. Talion. L'anneau est perdu. Mais j'obtiendrai des réponses. Arachné ! Minas Ithil est sur le point de sombrer. Il nous faut le Palantir. Le Palantir. Ne t'ai-je pas permis d'observer tes ennemis? C'est bien ce que tu cherches, n'est-ce pas? Oh, je vais t'offrir ta vision. Mais... à quoi serais-tu prêt à renoncer en échange de cela? Oh, ton âme. Il t'en reste à peine. Je dois savoir. Thank you.
L'attaque finale est pour bientôt. Le roi sorcier ne doit pas s'emparer du Palantir. Retournons vite à Minas Ithil. Il remonte de la ville basse. Où sont les archers? Je veux voir tous les hommes avec un arc sur le mur. Ordre du général Castamir, nous formons la réserve. Mais c'est complètement absurde, on manque d'hommes. Où est Castamir? Je dois le voir. Moi aussi, on le cherche depuis des heures. Ce bruit... La porte. Il brûle! Il faut de l'eau! Vite! La cité est perdue! Sauvez vos hommes! Repli! La ville est perdue! Vous êtes un traître! Je l'ai fait pour toi, Idril. Pour que tu survives. Le Palantir ne vaut rien. Je donnerai le Gondor entier pour toi! Et notre peuple? Ou bien notre honneur? Les morts n'ont que faire de l'honneur. Castamir! Respectez notre marché. Que ma fille soit libre. Castamir, non! Elle est libre de mourir avec son peuple. Rejoins-nous.
les ténèbres. Nous t'accueillons pas. Je te bannis. Retourne auprès de ton maître. Soumets-toi à ton destin. Amenez-le-moi. Debout, rôdeur. Pas aujourd'hui. J'ai pris le Palantir et nous avons localisé le nouvel anneau. Il est aux mains de l'araignée. Vous avez fait du bon travail. Minas Morgul est à vous. Maintenant, apportez-moi l'anneau de Celebrimbor. Et que fait-on d'Arachnée? Envoyez les Nazgûl. Tous les Nazgûl. C'était dans vrai. Vous m'avez tué. Mais vous vivez. Qu'est-ce que ça fait, mourir et revivre? Ça fait mal? Vous souffrez? Et la cité? Et le Palantir? Les Nazgûl ont pris les deux. Le Seigneur des Ténèbres les détient. J'ai donc échoué. Vous pouvez encore vous battre? Elle a la lumière de Galadriel. Nous pouvons reprendre l'anneau. Vos anneaux ont provoqué ceci, Seigneur Elf. Vous le voyez? Je le vois. Qui êtes-vous? La lame de Galadriel. Depuis quand Galadriel emploie-t-elle des assassins? Les grandes menaces forgent des alliances improbables. Vous le savez mieux que personne. Parlez-moi donc de cet anneau. Nous l'avons créé pour vaincre Sauron. Mais l'araignée, Arachnée, le détient.
Son pouvoir va attirer les Nazgûl. Il n'est pas question que Sauron s'en empare. La lumière de Galadriel, donnez-la nous! Pas si vite! Ma lumière nous protégera, mais je compte bien la garder auprès de moi. Il faut nous hâter. Alors en route. Il faut faire des sacrifices. Pourquoi maintenant ? Prends l'anneau. Crée ton armée. Ton destin deviendra clair. Deviendra clair. Deviendra clair. Le Nazgûl a fui. Il faut détruire l'anneau. Il nous appartient. La légende dit vrai, Celebrimbor. Cet anneau est différent. Il peut nous aider à vaincre Sauron. Je détruis tous les hommes que ces anneaux corrompent. Ne devenez pas l'un de ces hommes. Quand l'heure viendra, je ferai le nécessaire. Peut-être. Partez vite le plus loin d'ici. Les Nazgûl reviendront. Comme toujours. Nos routes se recroiseront. C'est la forêt de Carnan. Inutile de t'en soucier. Talion. Nous devons bâtir une armée. Oui. Là. Ce campement est plein de guerriers. Nos guerriers.
J'en ai marre de ta grande gueule, Bruce. Maintenant, tous les orques vont voir comment je vais te massacrer. J'ai toujours trouvé que t'étais optimiste. Tu sais ce que ça veut dire? C'est quand on est dans une situation totalement impossible et qu'on se dit « Pas de problème, j'intente le coup !» Moi aussi, je suis comme ça. Il me plaît. Ta petite épée pourrait me chatouiller, mais tu risques pas de me faire la peau avec ça. Tu sers le Seigneur de Lumière maintenant. Lumière, ténèbres, ça revient au même. Dans les deux cas, je démembre des bougres. Et comme j'aime bien faire ça, je gagne à tous les coups. Une recrue de choix pour notre armée. Moi, c'est Bruce. Et désormais, je te suivrai comme ton ombre. Personne ne t'approchera sans mon accord. Ne t'en fais pas pour mes ennemis. Ils finiront tous par me suivre, crois-moi. Si tu veux apposer ta marque au Mordor, il faut y aller franchement. Il y a une forteresse pas loin dirigée par un troll à deux têtes, grand comme une montagne. Et drôlement futé, ce qui doit être normal s'il a vraiment deux têtes. Si tu le bats, tu envoies un message à Sauron, et en bonus, tu gagnes une nouvelle baraque au passage. Pour ça, il nous faudra du monde. Rassemble tes hommes. Tout de suite. Oh, mais tu me laisseras lui faire sauter ses deux têtes, d'accord? Je m'occupe du chef suprême. Concentre-toi sur les défenseurs. T'entends quoi par là? Ça ?
J'adore conquérir des forts. Quand celui-ci sera à toi, il te faudra un suzerain. Je te propose ma candidature. Cette forteresse appartient désormais au Seigneur de Lumière! Ah! J'entends rien avec ce truc. Je savais que je la connaissais, cette voix. Ratbag? J'en ai des choses à te raconter, mais par où je commence? Par ta mort, qu'est-ce que tu en dis? Quoi? Quand le marteau m'a frappé? Rien de plus qu'une petite migraine. Si tu veux tuer un Uruk, tu dois lui trancher la tête. Ça marche à tous les coups. Bon, enfin bref, je sais pas, j'ai toujours un doute à ce sujet en fait. Oh, ça marche à tous les coups, Ratbag. Tu veux une démonstration? Bruise. Bienvenue. L'humain est un ami. Mais le log, surveille-le. Empêche-le de faire quoi que ce soit de suspect, comme me tuer. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Des esclavagistes m'ont capturé. Enfin, esclavagistes, plus deux cannibales et un nécromancien. De braves gens, ils ont eu cet ologue. Oh, salement amoché. On partageait une cage jusqu'à ce que moi, je nous fasse évader. Là, l'ologue bondit, ça gicle dans tous les sens, et nous voilà. Hein? Copain comme cochon. Muronam Kirinu Rahanuk. Ah oui, il faut que je leur explique pour le fort, merci bien. C'est un peu long comme histoire. Rodeur a tué l'ancien chef suprême, maintenant c'est chez nous. Rodeur? Oh, ouais, je lui ai donné ton nom. Quel honneur. Bon, les retrouvailles, ça va deux secondes. Mais le Seigneur de Lumière et moi, on vient vous dire que le fort est à nous. Seigneur? Ben, Seigneur de Lumière, fais donc. Tous les deux, on en a marre de jouer chef suprême. C'est pénible. Il faut nourrir ses partisans, entraîner ses partisans, tâcher de pas se faire tuer par ses partisans. Ouais, c'est vraiment la shrug. Oh, ben tes soucis sont terminés. C'est moi, le nouveau chef suprême. Non. Pas toi, n'importe qui sauf toi. Tout ce que tu voudras, Rodeur. Rodeur et moi, on s'en occupe. Rodeur, c'est qu'on s'y perd, hein, pas vrai? Enfin, bref, Bruce doit pas devenir chef suprême! Zupakin. Moi, je bosse pas pour ces deux-là, je te le dis, sans détour. Eh ben, ça tombe bien, figure-toi. Parce qu'en ce moment, on ne recrute pas des... Ne fais pas attention à leur chamaillerie. Ils peuvent être utiles, mais il faut choisir soigneusement notre chef suprême. T'as peut-être pas... Je n'aurais pas dit mieux. Je suis... puissant! Hargneux! Pote d'Olog! Notre combat fut rude, mais victorieux! Un nouveau pouvoir règne au Mordor! Vous! Dans les jours prochains, nous livrerons d'autres batailles et prendrons d'autres forts! Mais dès aujourd'hui, le Mordor est à vous! Appartient au Seigneur de Lumière! Vous êtes vivant. Comment vous m'avez trouvé? C'était facile. Vous laissez une belle piste d'orques morts. Et Idril? Elle a pu fuir Minas Ithil? Je l'ai perdue. Une embuscade. Nombre de nos frères ont été pris. Certains ont pu se cacher. Les armées de Sauron nous pourchassent toujours.
Idril est pleine de ressources. Mais personne ne survit longtemps au Mordor. Nous pouvons l'aider. Il faut juste que je la retrouve. Et ce qui reste. Retrouvons-les tous. Ça va aller ? J'aurais besoin d'une pause. Il faut faire vite. Une fois avec Idril, fuyez vers l'ouest. Commencez une nouvelle vie. J'ai déjà vécu deux vies. Je suis né dans la contrée d'Umbar, un Aradrim. Ça fait très loin de Minas Sithil. J'ai été envoyé au Gondor par mon ordre en gage de paix. Mais les Aradrim avaient d'autres ennemis. Je devais rentrer, mais... lorsque j'ai eu 10 ans, j'ai perdu le contact. J'avais la belle vie à Minas Sithil. J'étais respecté. Heureux. Mais c'est fini. Alors, c'est une troisième vie qui commence. La seule vie qui m'importe est aux côtés d'Idril. Mais il faut d'abord la trouver. Nous la trouverons. Garros, il en reste d'autres ? Idril, elle est vivante. Nous allions aux fosses de combat. Ils nous ont piégés. Elle a filé. Telle que je la connais, elle est partie par là. Elle est vivante ? Elle est vivante ? Je n'osais l'espérer. Nous la trouverons. J'ai remué ciel et terre pour toi. Moi aussi. Viens. Je te conduis à Enes Anun. Tu seras à l'abri. Non. Je ne quitte pas le Mordor. Pas avant que tous nos frères soient sains et saufs. Allons-y. Nous en parlerons plus tard. Mon père a sacrifié toute la cité de Minas Sithil pour ma sécurité. Je ne veux plus être protégée. Plus jamais. Ni par toi. Ni par quiconque. Idril, tu vas mourir si tu restes. C'est peut-être mon sort. Mais je vais rester. Pars. Les renforts ne vont pas tarder à arriver. La. Sinistre, tu trouves pas ? Il n'y a que les ténèbres et le malheur.
Mais sois positif. Je peux mettre fin à tout ça. Pour toi, en tout cas. C'était tout plan. Tu es un salvaire. Je vais te tuer. Tu es blessé. C'est rien. Grâce à toi. Encore. Tu disais vrai. On s'expose à 1000 menaces au Mordor. Mais je dois rester. Madame. Alors nous nous y exposons. Ensemble. La magie noire imprègne la cité jusqu'à la moelle. Il ne s'agit plus de Minas Ithil. Désormais, c'est Minas Morgul. J'ai suivi l'un des Nazgûl jusqu'ici, depuis la caverne d'Arachné. Il panse ses plaies. Nous l'avons seulement chassé. Restez sur vos gardes. Le roi sorcier a pris possession de cette ville. Maintenant, il va prendre possession de vous. Talion, la lumière de Galadriel nous protégera. Talion, allez dans la lumière. Tu ne vaincras pas le serviteur du roi sorcier. Tout le monde finit par lui obéir. Tu les rejoindras. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? À genoux devant votre roi. Vous avez eu une vision ? Ouais. Alors vous savez, c'était de grands hommes, mais les anneaux de pouvoir ont eu raison d'eux. Sauron les a façonnés pour dominer leurs porteurs.
Mais je l'ai compris trop tard. Depuis, j'ai eu le temps de créer un anneau parfait. Celui-ci est pur. Il est pur, j'en doute. Karnam n'est pas une créature, c'est la nature elle-même. Elle nous appelle. Talion, nous devons faire preuve de prudence. Je veux mourir. Pitié. De la grande salle de Minas Sithil. Nous élimine tous. Les bêtes des cuves viennent par centaines. Viens ici et montre-toi. En tous lieux, rivières et arbres sont enchaînés. Non, non, non. Qu'est-ce qu'elle est? Les caradors? Les gueules? Elle est toute à la fois. Vous allez nourrir des milliers de bouches. Cet être de chair est bien différent des autres. Sans pourriture, sans bourgeons, grandis-tu, flétris-tu? Non, non, non. Tu sembles n'être qu'une bête sans vie, mais non, car tu meurs et reviens. Sans vie, mais sans mort. Un être dont la chair est hantée. Talion, nous ne pouvons pas la vaincre. Alors que me conseilles-tu de faire? De jeter ton arme et de t'incliner. Pas question. Pas devant cette chose. Karnan! Qui appelles-tu? Entends notre rage, être de chair! Avec nous. Ça aussi, c'est la nature. Dans toute sa furie. Peux-tu lui demander d'arrêter? On ne peut pas raisonner le vent. On dirait que Karnan n'est pas si puissante.
déchaînée pour se lever encore. Tu seras enterré. Qu'est-ce qu'on a déchaîné ? La clameur des forêts. La complainte des rivières. Grand esprit de Karnal. Cessez les cris et les plaintes. Vous avez réveillé Targoroth, jusqu'alors prisonnier des entrailles de la Terre. Vous avez ouvert l'œil de Sauron. Il attise son feu. Forge une cage qui alimentera les flammes destructrices à venir. Tout brûle. On brûle. Le feu n'épargnera personne. Qu'est-ce qu'on a réveillé ? La non-mort. Créateur, ta forge chante. La terre est fissurée. Le feu est réveillé par un anneau de métal froid. Mais nous sommes là. Accepte notre aide. Oui, c'est d'accord. Toi, bête immortelle, toi, être dont la chair est hantée. Nous trouverons Targoroth. Partez maintenant. Le Balrog attend. Là, tapis dans l'ombre du destin. Mourez au combat et ressuscitez pour combattre encore. Bientôt, oui, très bientôt. La mort vaincra la non-mort. Dans les bas-fonds. Prenez et partage notre gloire. Viens rejoindre l'armée des ténèbres. Viens à nous. Viens. 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 Mais qu'est-ce qu'ils exhument ? C'est la mort qu'ils invoquent. Une mort qui viendra tous nous frapper. Il suffisait d'amadouer un peu Targoroth. Maintenant, il remonte à la surface et il vient te chercher. Plus ! Celui-là, Tartre l'a senti passer ! Ce n'est pas encore la fin. J'éveillerai tous les morts du Mordor très prochainement. Tous les êtres que tu as tués. Et quand ils se lèveront, qui iront-ils chercher d'après toi ? Oh ! On se recroise. Avalé par les On ne dresse pas un Balrog. Oh.
trop fort, Celebrimbor. Sauf si nous avons l'esprit de Carnan à nos côtés. Éveillé par l'anneau, les flammes brûlent. Vous l'avez éveillé. Vous l'avez éveillé. Pas de repos pour toi, pas de repos pour moi, immortel. Elle montre une puissance réellement extraordinaire. L'esprit de Carnan a vu la destruction de la Terre du Milieu et sa renaissance de nombreuses fois. Elle était là avant notre existence, et elle sera là bien après notre trépas. Un sentier de flammes. Vite, vite, vite! Il ravage les terres. Tout brûle sur son passage. Dargoroth ne sera pas difficile à trouver. Chante ton nom, immortel. Oh,
Nous éclairons ton abysse et nous éteindrons ton feu. Tu as beaucoup perdu. Il y a longtemps, Thargoroth fut enterré par Karnan, à l'ombre du destin. Hélas, ma forêt fut détruite. Mes jeunes perdus. À nouveau, le feu est enfoui. Loin sous la glace. Et après la mort, vient la vie. Le cycle reste inchangé. Il y avait un Uruk à Gorgoroth. Ce Zog. Le dompteur de Il sème la mort. Ranime Thargoroth. Ranime les orques. Un nécromancien. Il est proche. L'air est empli de magie orque. Il est doué. Il est très rusé. Il déferle telle une vague, ignoble, rongée, gavée de mort. Ils viennent pour vous. Sur mon honneur, nous le retrouverons et vengerons ton sacrifice. Arrêtez ces monstres ou rendez-leur la mort. Souillée est cette terre. Maudit est le Créateur. L'âme contre chair, finissons-en! Une créature immonde. Nos efforts ne serviront à rien si Sauron peut réveiller les morts. Ce sort ne doit pas être loin. Tu dois mourir. De plus en plus près. Comme on se retrouve, je m'appelle Zog, et je t'observe depuis quelque temps déjà. C'est toi qui as inspiré tout ceci. Quoi de mieux pour exterminer un homme mort qu'une grande légion d'orques morts vivants? Talion, ils continueront de renaître. Ce n'est pas contre nous que tu luttes, Rodeur, mais contre l'avenir en marche. Les morts s'approprieront le Mordor, et personne ne pourra nous arrêter. Oh, ça va être une partie de plaisir. Ce Zog est dangereux. Ses acolytes peut-être plus encore. Ils viennent pour Karnan.
Tout est calciné en cendres. La forêt a été sauvée. Ils ne reviendront pas. Maudit Ezog et son appétit féroce. Et pour sceller son pacte, il invoquera Targoroth. Targoroth a péri, et grâce à toi. Écoutez donc la terre. Les frères de la corruption demeurent toujours actifs. Le feu va naître de la glace. Si Zog parvient à invoquer le Balrog, il le soumettra et exploitera sa puissance. Nous devons l'en empêcher. Tu ne viens pas avec nous, n'est-ce pas? Un long hiver rappelle mon nom. Mais comment nous... Les forêts de Carnan ont besoin de repos. Carnan doit dormir où les cendres nous guettent. Le cycle ne doit surtout pas être brisé. Partez maintenant. Le rituel a commencé. Alors ne perdons pas de temps. Targoroth ! Quitte ta tombe et rejoins-nous ! Prenez et partage notre triomphe. Ça fonctionne. Targoroth vit. Il vit. C'est ma foi. Tu ne lâcheras pas ce rituel. Targoroth renaîtra, mais pas pour Sauron. Il se battra dans mon armée. Une légion de morts. Aussi forte qu'une armée du Mordor. Tu les entendras arriver, car ils connaîtront tous mon nom. Zog! 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 J'allais donner la vie après la mort. Tu as tout gâché. Mon chef-d'œuvre réduit à néant à cause de toi. Prépare-toi à mourir, immortel. Tu m'as tué. Mais je vais te dire un secret.
Les nécromanciens ne meurent jamais vraiment. Je crois qu'on a réussi. Alors, le sacrifice de Karnan n'a pas été vain. Elle me main marteau. De tous les Nazgûl, sa chute fut la plus dure. Sa rage est sans fin. Le Seigneur des Ténèbres aura ce qu'il désire, rôdeur du Gondor. Cette forteresse est une île minuscule entourée d'une mer de ténèbres. Et la marée s'élève contre toi. La chasse est ouverte, les gars! Laissez-le hurler au chef! Défendez ce fort pour le Seigneur de l'univers! Ne flanchez pas! Notre armée reste forte, et nous avons fait en sorte que les Nazgûl ne puissent pas nous suivre. Mais nous ne les avons pas vaincus. Et tant qu'ils seront là, nous serons en danger. Où est le Nazgûl ? Pas loin. Vous pouvez me suivre ? Je ferai de mon mieux. Ce n'était pas la première fois que vous affrontiez Helm. J'ai affronté chaque Nazgûl d'innombrables fois. Sans jamais les vaincre. Bientôt. Pourquoi vous obstinez-vous ? Quand on affronte les ténèbres, lutter peut être une victoire en soi. Pour l'heure, nous devons l'emporter. J'ai tué des proies sûres. Mon maître t'ordonne de lui obéir. Quant à ton ami Elfe, ses mains et sa tête feront de très beaux trophées. Tu vas saigner, et chaque plaie t'affaiblira. J'ai dû m'accorder sa main quand je vous l'ai demandé.
votre fille revienne. Par pitié, ne vous battez pas. Tuez-moi, et ce sera la guerre. Que la guerre commence ! Seigneur. Toi, hypocrite, tu accompagnais Sauron quand il a confié à ses rois les anneaux qui ont causé leur perte. Il devait restaurer l'ordre. Sauron m'a trompé ainsi que tous les autres. Et malgré ce que tu sais, tu as osé forger un anneau. Nous l'avons forgé. Sinon pourquoi aurais-tu pris mon marteau? Nous ne dominons pas des hommes nobles mais des orques sauvages. C'est justement cette armée qui nous permettra de défaire tout ce que Sauron a fait. Et peu importe ce qu'il en coûte. Un Drake nous aurait été utile. T'as des ennuis ? Question d'habitude. Laisse le chef tranquille avec tes âneries, sale petit chouineur. Chouineur ? Sérieusement, Bruce, ça fait mal ! Ah ! Il a encore plus ! Quel est le problème ? 4 côtes brisées, je crois. Mais ce que je voulais te dire avant, c'est que le fort subit une attaque. Sauron sait que tu es là, et la porte de mon tunnel de secours est coincée ! Ils mettent nos défenses à l'épreuve. Et nos défenseurs. Bruce ? Sois prêt à défendre le fort. Oh, ça, c'est un travail pour le chef suprême, machin chose. Vu que c'est à lui qu'on a donné le poste et pas à moi. Tu vas faire ce qu'on t'ordonne. Allez, chef de lumière, c'était pour rigoler. Tu sais que j'adore éclater des têtes. Je défendrai ce fort comme si c'était le mien. Et moi aussi, je vais le défendre. Je commence par le garde-manger. Voir si rien n'est empoisonné. On devrait travailler ensemble.
Je crois bien que c'était le dernier. Faut nous attendre à une autre attaque. J'espère bien. C'était excellent. Tu t'es bien battu. Je t'ai dit que je défendrais le fort comme si c'était... Et justement, c'est le mien. Trahison ! Nous reprendrons notre forteresse. Nous massacrerons ce maudit Olog et tous ceux qui le suivent. Qu'en est-il de ceux qui nous suivent ? Il est clair qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Tous ceux qui résistent serviront d'exemple. Runner ! Et y a un souci, Bruce a conquis ta forteresse. C'est ce que j'ai cru comprendre quand il m'a embroché par derrière. Par derrière, du dos jusqu'au ventre. Il t'a vraiment saigné comme... Pardon. Enfin, voilà. Les autres orques savent que tu as eu Bruce avec ton... Souffre-moi. Et qu'il s'est libéré. Ce qui a fait forte impression, tu peux me croire. Les orques veulent tous être ses partisans. Bon. Je vais pas te dire comment mener ta barque, mais il faut en finir avec lui immédiatement. Et t'as un sauvetage qui t'attend. Un sauvetage ? Ouais, il a fait un paquet de prisonniers. Dans le tas, il y a ton chef suprême, il me semble. Tu vas pas le lâcher. Où ça ? Par là. Mais sérieusement, on aurait dit que t'étais une brochette... Silence ! Bon, c'est parti. Commençons l'exploration. Merci, chef. Maintenant, parle aux vengeances. Qu'est-ce qui se passe quand les morts se frondent ? C'est un immense plaisir de te servir, maître. Bon. Alors ça, c'est fait. Tu peux t'en retourner jouer à la guerre et... Oh, tiens donc. Nous n'avons pas terminé. Bruce. Ah oui, Bruce. Dans sa forteresse. Ou ta forteresse. Elle en aura vu passer du monde. Oh, quand sa beauté était mienne. Il y a des courants d'air, c'est vrai, mais quelle vue, je te dis pas. J'ai ajouté des tas d'améliorations. Comme ton tunnel. Ouais, j'avais un tunnel de secours, une bonne idée, je pense. C'était drôlement pratique pour s'enfuir, au cas où. Nous allons l'emprunter. Bah, on est déjà dehors. Pour revenir dans l'enceinte du fort. Ah, ouais. Où est ton tunnel ? Par là ! Enfin, je crois. Bienvenue, chef. C'était quoi le plan ? Sauver tes gars ? Me les amener pour qu'ils puissent se venger ? Et tu trimbales ces petites chrasses de ratbag ? Ah, tu sais quoi ? J'ai des potes aussi, moi. Ouais. On a de quoi faire une vraie fête, ça m'a donné, hein ? Enfin, boire du grog, jouer à quelques jeux marrants, comme... arracher les bras du rôdeur. Tous ceux qui ont les bras. Grr!
Dégagez ! Mordule ! Le dernier à passer à l'attaque n'aura que les restes. Mes toxines. Quel osera, quelle rondeur. C'est pas ce que j'avais prévu. Ça, je peux te le garantir. Il n'ira pas loin. Nous allons le retrouver et nous servir de lui pour montrer au Mordor ce qui arrive que vous êtes les plus égaux. Souffre-moi. Cette forteresse est à nouveau sous mon commandement. Une tentative de rébellion a été matée. Les conspirateurs ont été exécutés. Leur chef subira bientôt le même sort. Vous gardez cette forteresse pour le Seigneur de Lumière. Ici, mes ennemis ne trouveront pas de faiblesse. Ni de pitié! Rien que la force incroyable de mon armée! Talion! Radbag a besoin d'aide! J'ai perdu Rodeur! Comment peut-on perdre un Olok? On l'a enlevé! J'ai trouvé ce messager près de sa gamelle. Y a pas une expression à propos de tuer le messager? Si. Faut toujours tuer le messager. Ah, ça explique bien des choses. Et qu'est-ce qu'il avait à dire? Il a dit, si tu veux revoir ton gros toutou vivant, livre-nous l'immortel, ce bouffeur de Shrek. Arrête ça. Oh, pardon. C'est un piège, je ne t'apprends rien. Bien sûr. Mais tu nous le dois. À moi et à Rodeur. Après tout, on a viré Bruce tous les deux. Nous ne devons pas avoir le même souvenir. Bon allez, c'est pas la peine de pinailler. Mais on se bat pour toi, c'est un fait. Qu'est-ce que les gars vont dire si tu défends même pas les autres orques? Il a raison. La force compte pour eux. Si nous laissons nos soldats se faire attaquer sans réagir, les orques y verront de la faiblesse. Tu n'as peut-être pas tort. Ah ouais? Je veux dire... Ah ouais, bien sûr! Amène-toi, on va sauver Rodeur. Ah, le voilà! Le glorieux Seigneur de Lumière! Je savais bien que ce pleurnichard arriverait à te faire venir. Bruce! Je vais te montrer, moi, qu'est-ce que t'as fait de Rodeur? Ferme ton clapet! Tout ça, c'est entre moi et l'immortel. Alors descends de là! Qu'on en finisse! Non, ça, c'est que le début! D'abord, il faut que tu souffres. Ensuite, si un de mes gars vous tue, toi ou ce pleurnichard, alors bon débarras. Quoi qu'il arrive, eh bien, on va s'amuser comme des petits fous, pas vrai? Espèce d'immonde tas de frac! Il est parti. Mais nos routes se recroiseront. Ouais, bah j'espère! Tu perds rien pour attendre, péteux! Écoute-moi. Nous trouverons Rodeur. Et nous arrêterons Bruce une fois pour toutes. Ouais. Bah pas question que je reste planté là sans rien faire. Je vais fouiller partout dans le Mordor pour lui mettre la main dessus. Et quand je l'aurai, tu seras le premier à le savoir. Fais donc ça. Bruce n'est qu'une entrée en matière. Plus nous aurons de pouvoir, plus nous aurons d'ennemis à nous défier.
alors nous les tuerons. Non, nous devons faire de lui un exemple où d'autres chercheront à prendre sa place. Nous les tuerons jusqu'au dernier. Pourquoi tuer d'innombrables opposants quand il te suffit d'en briser un seul? Parce que nous sommes là pour gagner une guerre, et non pour faire de la politique. Au Mordor, tout cela revient au même. Roller, enfin, immortel, seigneur de lumière, combien de noms tu as? Oh, c'est pas grave. Enfin, bref, j'ai vu Rodeur, mon Rodeur. Je crois qu'il est obsédé par l'immortel. Je l'ai entendu. Il marmonnait dans sa barbe. Et au courant pour Ortog, il a parlé de l'arc à Tu peux marcher? Babsnan Trupat, Brushlakban, Rakarnan. Je prends ça pour un oui. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Et qui t'a permis de faire sortir Rodeur de sa cage? Tous les deux, nous allons te donner une leçon. Ah, j'aimerais toujours me faire mal. Tue-moi. Finissons-en. Non. Rodeur, viola, espèce de gros globe. Kitorum de Rakatun Ro, Balanu. Moi aussi, je suis content de te voir. Pagnak. Yambers Nusaida, Bustan Karikan. On dirait presque qu'il parle. Merci, Rodeur. Immortel. Non, merci, Seigneur. Et on je y quitte. Je veux pas du fort. Je veux pas du fort. J'ai jamais voulu de ce fort. J'ai jamais voulu. Est-ce ce que c'est Bruce? Tu l'as brisé. Oh, plutôt mourir que de vivre comme ça. C'est le but. Allez, Rodeur. Allons-nous-en. Il me file la chair de poule. Tu es un être cruel, immortel. Maintenant, tous les orques du Mordor y songeront à deux fois avant de nous attaquer. Pas du fort. Quand je vous trouve, je sais que les Nazgûl ne sont pas loin. Tant que vous porterez cet anneau, ils seront trop proches à votre goût. Pour l'instant, je n'ai pas le choix.
Juste un seul. Isildur, le roi qui a ôté l'unique de la main de Sauron. Pour le porter à son tour. Voilà ce qu'ont donné vos anneaux, Celebrimbor. Ces hommes sont morts à Minas Sithil. Ce ne sont plus des hommes maintenant. Pour eux est une bénédiction. Tu t'inclineras devant le roi sorcier, et à nos côtés, tu nous serviras, ou tu mourras, et je ferai de toi ma marionnette. Tu as donc un choix à faire. Le regard de Sauron est de feu. Il sert le Seigneur des Ténèbres. Isildur va ressusciter d'autres Gondoriens. Je vais le traquer. Nos chemins se recroiseront. Tant que je porterai l'anneau, je n'en douterai pas. Isildur va s'impatienter. Ils auront leur guerre. Nous avons conquis les forts du Mordor. Mais ils résistent encore. L'armée de Sauron avance, prête à tous nous massacrer jusqu'au dernier. Mais nous ne mourrons pas sous son emprise. Nous ne servirons pas le Seigneur des Ténèbres. Nous nous élancerons sur le champ de bataille, et ces terres nous appartiendront. Vous, luttez pour le Mordor. Vous, luttez pour le Seigneur de Lumière. Chargez! Que partager ce monde avec les nains. Ah
le don de vos orques. Pardonne ! Battue à chaque tournant, même par tes soi-disant alliés. Enfin, tu reviens vers moi pour que je te porte le coup fatal. Cette fraternité, tel est le destin des rois et des hommes. Ce ne sera pas le mien. Ton voyage se termine, Seigneur Elf. C'est la fin. Seigneur de l'Anneau. Me servira pour toute l'éternité. Je ne le permettrai pas. Isildur ! Je vous libère ! Non, non ! Trouvez la paix dans la mort.
Tu n'avais pas le droit de le libérer. Et tu n'avais pas le droit de l'enchaîner. Il a fait pire que ça. L'emprise de Sauron. Vous l'avez dissipé. Et je compte dominer Sauron. Ses armées seront bientôt miennes. Nous devons détruire Sauron. Sauron est indestructible. Celebrimbor dit vrai. Nous nous battons, mais le mal revient toujours. Talion, il faut en finir. Il faut rétablir la lumière au Mordor, pas les ténèbres. Je ne veux pas changer un seigneur des ténèbres pour un autre. Ce n'est pas pour ça que je me suis battu! Mais vous n'êtes pas le seul à vous battre! Non, loin de là. Ça va plus loin que ta soif de vengeance. Ou la mienne. Il s'agit de rétablir l'ordre dans le Mordor, oui. Dans la terre du milieu. Ce n'est pas ce que tu veux. Tu n'es qu'un mandataire, et il y en a d'autres. Galadriel ne vous a pas envoyé ici pour rien. Tous les deux, nous pourrons mettre Sauron à genoux, nous pourrons finir la tâche que nos ancêtres ont commencée. C'est le seul moyen. Regarde l'avenir que tu as fait. Un seigneur de lumière au lieu de ténèbres. Oh, mon pauvre Talion. Je t'ai offert la vue, pourtant tu ne vois toujours rien. J'ai vu un destin inaltérable. Tu te trompes. Quand Celebrimbor et toi avez forgé un anneau, j'ai vu l'issue de ta voie. Dans un combat contre Sauron au sommet de Barad-dûr, tu gagnais. Sauron était soumis. Le Seigneur de Lumière prenait sa place. Les armées du Mordor avançaient toutes sous sa bannière. Et la terre du milieu était à sa botte. Voilà l'avenir que j'ai combattu. Celui que tu as empêché. Car tu as vu Celebrimbor sous son vrai jour. Non.
combat n'est pas terminé, Talion. Que les ténèbres où la lumière règne sur Barad-dûr, l'équilibre des pouvoirs doit perdurer pour sauver la Terre du Milieu. Minas Morgul. Oui. De là, tu peux retenir le Mordor. Comment ? Je n'ai plus l'anneau. Je te le redemande. À quoi serais-tu prêt à renoncer ? Ouvre les yeux, Talion. Ouvre les yeux. Je serai capable de respirer. Mon sort m'appartient. Perdu la tête. On est à Minas Morgul et tu es seul contre nous. Tu te trompes. Nous sommes très nombreux. Attention à votre nuque. Vous avez la tête. Tuez. Rejoins-toi. Toute l'histoire. Je n'ai pas encore sombré. Et je ne suis pas votre frère.
Tu vas servir le Seigneur de Lumière maintenant. Dans le corps d'un elfe ou d'un homme, tu es le même Celebrimbor. Sauron et Celebrimbor ne firent qu'un, prisonniers d'un conflit perpétuel. Un œil ardent, projetant son ombre sur le Mordor. Talion avait repris la cité de Minas Morgul, mais sa lutte n'était pas finie. Son plus grand combat serait celui contre l'ombre qu'il habitait, et contre la tour à l'est. Pour retenir les ténèbres. Pour sauver tous les hommes. Talion s'évertua des années à repousser les ténèbres. Seulement, l'anneau de Sauron était doué de volonté. C'est terminé. Tous les deux, nous allons nous emparer de la terre du milieu. Talion finit par céder et rejoignit les neufs. Dans les années qui suivirent, l'anneau unique fut trouvé, et le nouveau Nazgûl se rendit dans la comté avec ses frères en quête du porteur de l'anneau.
puis... Après une très longue guerre, la lumière perça enfin. Une nouvelle communauté. Et un héros insolite. La mort vint. La mort de Sauron. La mort de son empire. Et la mort de Talion. Qui quitta les ténèbres. Pour trouver la liberté.